Et salut tout le monde, c'est Ivo, que je te retrouve du coup pour la suite de Detroit Become Human. On s'est arrêté du coup avec la petite transition. J'ai parlé à Hank de son fils. Peut-être j'aurais pas dû, mais voilà, je voulais au moins qu'il sache. Et je voulais mettre les choses au clair avec lui. Je suis au courant pour ce qui s'est passé. Et voilà, après s'il veut pas en parler, je respecte, mais je voulais au moins qu'il soit au courant. Bon, le petit Marcus, du coup, oui, c'est vrai, il avait volé le hangar de CyberLife. Que va-t-il faire à présent? On avait découvert qu'il avait un pouvoir de ouf, c'était celui de convertir les androïdes et il arrivait à les dévianiser. Révolution technologique à la tour Strand. J'ai pas le temps de lire. Je sais pas pourquoi, mais ça va tellement partir en couille. Putain, pourquoi Josh est toujours neutre? Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. C'est vrai, il a entièrement raison. Mais comment tu veux faire ça, du coup? Qu'est-ce que tu comptes faire? Cette tête de tueur. Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La tour de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Oh là là! Oh là là, avec la petite cravate. Ce pimp! Marcus le bon gosse, il est dans la place. Dans les moindres détails, on ne peut rien laisser au hasard. Putain, mais du coup, ça va en mission impossible, c'est ça? Tu dois désactiver les codes du réacteur nucléaire avant son explosion. Demander l'accès à la réception. Où est la réception? C'est là. C'est un peu évident. Attends, est-ce qu'il y a des trucs à explorer autour hein? Parce que j'oublie toujours d'explorer. Non, il n'y a rien du tout. Très bien. Bonjour, excusez-moi, pardon, j'étais. Oui, merci. Bonjour, monsieur. C'est la même qu'au commissariat? Ça ira. Merci. De fait que j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Distraire la superviseuse humaine. Ah shit, comment je peux faire ça? Est-ce que je peux hacker son PC? Je lui ai envoyé des spams, des mails. Montre connectée. Emily Wilson, fille de la superviseuse, enfant inscrite à l'école Sainte-Rose. Putain, le mec il arrive à déduire tout ça juste. Ouh, qu'est-ce donc ce papier? Watcher Service Interruption. Niveau de sécurité incendie faible. Ok, donc je peux pas dire qu'elle a un incendie. Bon, je peux dire que le gosse il a un souci. Je sais pas, il faut aller le chercher à l'école ou un truc comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Elizabeth Wilson, superviseuse. Ok. Et est-ce qu'il veut que je retienne le nom de l'école? Sainte-Rose. Sainte-Rose, Emily. Sainte-Rose, Emily. Ça, c'est quoi? Badge du parking. Ok. Attends, je vais m'éloigner du coup. Pou 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 pou. Elizabeth Wilson, j'écoute. École, 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 école. Putain la vache quoi, il y a quoi un étage? 79. Elle est partie, c'est bon. Good. Et me revoilà. Rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. Et la voilà. Attrape-la! Oh, j'en étais sûr. Putain, c'est tellement stylé ce pouvoir! C'est trop cheaté! J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Oh là là, c'est trop bien ce jeu, il part trop en couille! Let's go! Prends
prendre l'ascenseur. Oh là là, c'est quoi ça? Et un ouragan? Qu'est-ce que c'est que ça? Chanel 16. Une maison en ruine. C'est quoi tous ces trucs? Ok, très bien. J'ai pas compris. Mais après, oui, voilà, c'est les infos. C'est ici? Elevator. Express Elevator. Ding! Ah là là, et là on attend. Pipa loupa poupa poupa poupa. Hop, c'est bon. Non, attends. Hop, pipo. Allez, non. Regarde pas en haut, c'est bon. 47. Putain, t'aurais pu aller à l'étage 69, hein. T'abuses, franchement. 47ème étage. Y'a quoi au 47ème étage? Trouver le paquet dans les toilettes des hommes. Qu'est-ce que c'est là? You are here. Alrighty then. So, elevator, cafétéria derrière moi, emergency exit. Ok, ça peut être utile. Control room à gauche. Server room, studios, main bathroom, c'est là-bas. Ok, 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 ok. Très bien. Je prends des notes parce que je sens que ça va être compliqué. Il y a des trucs, il y a un truc sur la table, j'ai vu, tac tac tac. Ok, un journal. Des soldats androïdes, le ministère de la défense commande 50 000 soldats androïdes. Ah ça, pour faire la guerre, les androïdes sont balèzes. Hein. Century peut-elle encore diriger le pays? Putain, c'est chaud d'écrire en blanc sur du blanc. La présidente Warren dans une situation délicate. Aïe aïe aïe, c'est fini pour elle. Donc là, il y a la sortie d'urgence. Le KNC. Tu veux dire le Kentucky Rye Chicken? Ok, c'est la salle des monteurs ici. Je peux y aller ou pas? Oh, un fond vert! Putain, bah le mien est tellement dégueulasse. Il faudrait que je pique le leur. Putain, je peux le regarder? La tristesse, un mec tout seul dans son bureau. Newsroom, non, là c'est des meetings et tout. Putain, c'est trop stylé, ils ont trop bien. Ils ont trop bien retranscrit le bureau d'une société effectivement qui pourrait faire des émissions. Newsroom 2, ok. Donc allez, on va aux toilettes. C'est parti. Tac tac, faut aller où? Il y a un truc vert. Genre sérieux, il y a des mecs qui sont en train de chier dans tous les autres. Oh, mais ça part vraiment en Mission Impossible, c'est trop stylé. Ok. Ici Marcus, j'ai récupéré le colis. Je répète, j'ai récupéré le colis. Oh là là! Bonjour, je suis Marcus l'Android. Il a l'air tellement sympathique. Bonjour. Mec, il se pose pas de questions, il voit un Android sortir. Ouais, peut-être que je suis en train de laver les chiottes. J'avoue. Que dois-je faire? Trouver l'androïde d'entretien. C'est pas ce truc de merde là? Titalou, tatou, tatou. Cleaning in progress. Ce n'est pas ça donc. Tac, tac, tac. Il y a un truc là-bas. J'ai repéré ma cible, Snake. Comment on y va? Par là, dans ta droite. Il est dans cette pièce ou dans l'autre derrière? Ah mais c'est la même. J'ai besoin de ton aide. En plus c'est tellement passe-partout. Regardez le chariot de maintenance. C'est, je veux dire, il y a juste sa main qui est flag et encore vu que c'est là du coup je suis déguisé en android, bon. Tu vois, c'est les humains même s'ils voient ça ils s'en battent les couilles quoi.
Ah, c'est parti. Ouvrir la sortie de secours. Eh, vous voyez que je l'ai bien colle, ce truc. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Du coup, je pense qu'ils vont essayer de... Peut-être qu'ils ont pré-enregistré. Non, comment ils auraient pu pré-enregistrer, je sais pas. Il faut qu'ils arrivent à passer une vidéo ou un truc comme ça pour la diffuser aux humains en mode c'est bon les gars, on vient en paix. Faites pas chier. Laissez-nous exister. Et on pourra arrêter de nous cacher. Oui, je suis que des rimes en ré. Ok, on est deux maintenant. Suivre North. Où allons-nous? Je ne sais pas. Oh putain, c'est tellement bien, j'adore cette mission. Ah, on doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Putain, c'est quoi cet écho énorme quand elle parle? Je m'en occupe. Mais Marcus aussi? What the fuck? Éloigner les gardes de la porte. Oui. À la cafette, je pense qu'il va y avoir un truc. Tu joues toujours au poker. Je peux pirater la machine. Je peux faire que ça. Bon, mais... Oh, il neige jour! Oh, c'est trop stylé! C'est trop stylé. Ah ouais, devant tout le monde, rien à foutre. Et ils ont besoin d'être à deux quand même pour aller vérifier ce qui se passe. Hein. Oh la vache. Je m'occupe de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Ok. Tout ce que j'ai besoin c'est dans le sac. Est-ce que je vais prendre des ventouses en mode escalader sur la vitre? Si c'est ça, c'est genre vraiment trop Mission Impossible. Ah, c'est trop ça, trop bien. Pardon. Ah, c'est trop bien. Ah, pardon. Oups. Attrape la grille avant qu'elle tombe, quand même. La plateforme arrive. Ah non, ça va. Je vais pas escalader avec les ventouses. J'ai ça. T'es pas une dame, t'es un androïde. Ok, alors attends, je regarde la manette. RB c'est là, LB, LT. Ok. Oh la musique! En avant! Il n'y a pas des gens qui sont en train de travailler au niveau des vitres là? Rise, my son! Oh là là, c'est tellement stylé! C'est tellement stylé! Deuxième tour. Et là, il coupe le câble. Non! Allez, coup de pied. Full throttle. Ça va? Ça va et toi? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Appeler l'ascenseur de service. J'aime bien quoi.
J'aime parce que tu viens de faire un truc méga épique, hein. Tu viens d'escalader un putain d'immeuble, et là du coup tu remets ton uniforme de mec de la DDE, tu te balades, rien, même quand il se déplace, poum, pipoum, 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 poum. Tout le côté badass, ça disparaît. Oh putain, ils m'ont fait peur. Bon, on est au complet les gars. T'as la bombe. Ok, c'est parti. C'est quoi ce truc? Attends. Détruire le verrou de la porte de maintenance. Ah mais c'est vraiment une bombe. Oh shit, je croyais que c'était, je sais pas, du mascara ou... Courez. Ah ok, c'est un mini truc. Atteindre de couleur d'accès principale. Est-ce qu'il y a des trucs? Oh, j'aime pas cette musique. Oh non. Oh non, c'est la musique des emmerdes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh putain, je tremble de partout. J'aime pas du tout cette musique. S'occuper des gardes. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? J'en sais rien. On peut faire un piège. Attendez-moi ici. Oh non. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, hey, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit de venir ici? On dirait qu'il m'a tout l'air d'avoir planté. Hé, hey, tu comprends ce que je te dis? Appelle le central, vite, central. Non. On a des intrus armés, envoyez... Mais qu'est-ce qu'il fait que je fasse? Oh non. Qu'est-ce qu'il va aller vers? La seule option que j'avais, c'était dégainer, mais je voulais pas leur faire de mal. On est là, faut faire vite. Bon, bah au moins ils sont neutralisés. Je suis désolé, Simon s'est fait tirer dessus! Je suis désolé. Tu vas t'en sortir? Ça va aller. Je peux continuer. On n'a pas beaucoup de temps. Oh merde. Qu'est-ce que je fais? Je l'amène où? Ah putain, c'est la merde absolue. Et je dois faire quoi? Elevator, diffuser un message. Ok, on s'est fait shooter qu'à l'épaule, ça. Mais j'ai vraiment pas compris qu'est-ce que je devais faire, là, du coup. Oui, tu sais quoi, ça? Je suis désolé, Simon. Même si je t'aimais vraiment pas. Je suis désolé. Ils ont pas entendu les coups de feu? Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Ordonnez de partir aux opérateurs Android. Ok, ça marche. Non! What the fuck? Chopez-le! Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire pas! Je suis pas chaud! Je suis désolé! Ah mais t'es pas obligé de le tuer, tu peux le tirer juste dans la jambe ou un truc comme ça, putain. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Oh non, merde, 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 merde. Ah, je suis un humain, fuck. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Oh merde, ça me met pas du tout la pression. Marcus, ton visage. Retirer la peau? What the fuck? Oh. Oh, c'est trop stylé. Dis-moi quand t'es prêt. Putain, je stresse de ouf. Je suis prêt. Ah, il rediffuse à travers les yeux du Black, de Josh. Calme. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent.
Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante, et chaque androïde comme une personne à part entière. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Putain, c'était en haut. Ils arrivent ! Oh merde ! On y va ! Oh merde ! Simon, attention ! J'y arriverai pas ! Partez sans moi ! Simon ! Qu'est-ce que je vais faire ? Fuir ? Faut que j'aille l'aider, hein ! Qu'est-ce que vous faites ? Vite ! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh le spam! Oh j'ai jamais autant appuyé sur la touche de toute ma vie! Mes jambes ne répondent plus. Non! Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus! On doit sauter, vite! S'occuper de Simon? Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire et découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Ah, j'ai jamais aimé, mais non. Non, je peux pas l'abandonner. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Je suis désolé. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. Courage, mec. On y va. Bats-toi jusqu'au bout, je suis désolé de t'abandonner. Il est hors de question de tuer un de nos frères. Même si je t'ai jamais aimé. On part! C'est parti! Oh là là, tellement stylé! Pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 7. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. L'attaque a fait un mort. Il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été abattu. Ah, mais merde! Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore... T'as retenu juste le mec, c'est tout? ...que ces auteurs sont bien des androïdes. Cela pourrait constituer une grave menace. Mais comment c'est une menace? La revendication pour l'égalité des droits semble être au cœur du message de l'androïde. Ce message est clairement une déclaration de guerre. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. Mais allez vous faire foutre! Isolé, ou avons-nous affaire à un groupe organisé? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Parce que j'ai tué un mec! Pouvons-nous encore faire confiance aux machines? J'ai tué un mec qui a donné l'alerte. Si je la battais pas, le problème, il allait donner... Ah putain, si... Oh, mais fuck! Fuck. Non! Comment ça, déclaration de guerre? Putain, mon discours était ultra pacifique. Quelle bande de cons! Ok, Stour Stratford. Imiter une professeure? Ah oui. Ok, niveau 47, etc. Pirater le distributeur. Ah, il y avait un autre truc. Ah ben, j'ai pas vu. Verrouiller la porte. Oh, j'aurais pu. Si j'avais pas verrouillé la porte, le mec il m'aurait grillé, ça aurait été la merde direct. Dernier étage, appeler l'ascenseur. Duper la... Comment ça, j'ai dupé la sécurité?
J'ai rien fait? What the fuck? Nerf attaque, ciment endommagé dans la salle de diffusion. Le technicien tente de s'enfuir, abattre le technicien. Oh, il n'y avait pas de suite. Il n'y avait pas de suite à... J'aurais pu le laisser donner l'alerte, ça aurait rien changé, j'aurais quand même fait mon discours. Hein. Mais et ça je peux pas le savoir, putain, genre il va donner l'alerte, nous on est là pour diffuser un message. Et t'as vu comment c'était la merde, on s'est fait mitrailler dessus, Simon, on a dû l'abandonner. Alors ça aurait été quoi si on avait, le mec qui avait donné l'alerte? Ça aurait été la même chose, mais bien sûr que non, il serait arrivé beaucoup plus tôt, ça n'a aucun sens. Par contre, ouais, les droits, j'ai fait n'importe quoi. Commencez calmement, ça, ok, cool. La reconnaissance, l'esclavage, c'est bien. La justice, la fin de la ségrégation, le droit du travail. Ça, j'ai mis n'importe quoi, en vrai, je savais pas. Suffrage universel. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre les autres. Mais le problème, c'est que justice, pour moi, j'ai pas voulu le mettre parce que j'étais en mode, nous réclamons la justice, il est temps de faire payer aux humains. J'étais là, non, je vais pas faire ça. Et ségrégation, j'avais eu peur que ce soit justement en mode le contre-pied. Genre, vous avez fait de nous des esclaves, ben du coup, maintenant, c'est les humains qui vont être nos esclaves. Les deux, vu que c'était juste un mot, c'était pas exiger la fin de la ségrégation. C'était juste ségrégation, du coup j'étais en mode non, on va prendre travail, ça a l'air un peu plus sûr, je pense. Droit à la propriété, contrôle de la production, exiger un territoire, conclure calmement. Ah, on a débloqué un truc, le fait d'avoir. Ah, ok, donc le fait d'avoir tué le mec et d'avoir fini calmement, c'est ce qui fait que je pense que. Oh putain, il est vraiment long ce truc, que l'opinion publique est sceptique. C'est que j'ai fait un truc mauvais et j'ai fait un truc bien. Je pense. Mais ça fait chier un peu quand même. Ça fait un peu chier. Le SWAT envahit la salle. Et mais du coup, c'est quoi le truc? Sur le toit. Tenter de sauver Simon. Simon est sauvé. Si on ne peut pas continuer, laisser Simon. Atteindre le rebord du toit. Oh, j'aurais pu mourir avant? Non, je sais pas. Les médias réagissent. Ok. Eh bien, très bien. Un épisode assez riche en émotions. Je suis deg, au final, d'avoir tué le mec. Mais est-ce que j'aurais pu diffuser mon message, malgré tout, si je l'avais laissé? Je ne sais pas. Pour moi, je me suis senti obligé. Et bon, qu'est-ce que la mort d'une personne... Ça fait un bout de temps qu'on joue ensemble, vous et moi. Oh. Et je me demandais, est-ce qu'on est amis? What the fuck? Oui, sûr, oui. On est d'accord. Rien ne devrait empêcher un humain et une machine d'être amis, pas vrai? Enfin... C'est vrai. C'est gentil d'avoir dit oui. Mon ordi, je dis pas souvent mon ordi, mais tu es mon ami aussi. Donc bref, quoi qu'il en soit, je vous fais plein de gros bisous, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres. Moi, quoi qu'il en soit, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour la suite de Détroit Become Human. Ciao les gars!